Pierre et Francis, la directrice direction de transport terrestre de personnes pour la MTQ. Okay. Philip Schwab is to my right and he is the director of the STM. Okay. Marie Turcotte, she is a representative d'Uzeur de transport adapté for the STM as well. To my left here we have Matthew Dowse, who is the IATR president. We have three people over to my left. We have Tracy Cook, who is the executive director of municipal licensing and standards for the City of Toronto. And to the far left, we have Nick Grande, who is the CEO and president of MV1 Canada. So with no further ado, I'm going to pass this on to France Dampierre, and here we go. Bonjour à tous. Ça marche-tu? C'est toujours allumé. C'est toujours allumé? Ah bon. Alors, si vous m'entendez bien, d'abord, je voudrais vous saluer et vous remercier de nous donner l'opportunité au ministère des Transports de venir dans ce sommet mondial vous présenter l'état de situation du ministère des Transports et ce qu'on fait. Alors, on considère qu'on a un engagement qui est marquant de notre part pour assurer la mobilité des personnes handicapées au Québec, et c'est ce que je viens vous témoigner cet après-midi. Ma présentation va se décliner en cinq temps avant de conclure. Je vais vous parler d'abord du rôle des différentes instances gouvernementales en transport collectif. Je vais poursuivre avec les principaux lois et règlements gouvernementaux qui visent à accroître la mobilité des personnes handicapées. Je vais vous parler rapidement de la formation qui est obligatoire au Québec, les différents programmes d'aide financière et un aperçu de l'accessibilité du transport collectif aujourd'hui, en 2014, où nous sommes rendus, avant de conclure. Le gouvernement du Québec, je vais y aller du plus large au plus spécifique. Donc, le gouvernement du Québec, c'est lui qui légifère. Donc, il vient déterminer quelles sont les grandes orientations en matière de transport collectif sous toutes ses formes. Donc, c'est le transport adapté, c'est le transport en commun, c'est le transport par taxi, c'est le transport en milieu rural. C'est le gouvernement du Québec qui a ce mandat-là de déterminer ces grandes orientations-là. C'est également lui qui met en place les mesures pour s'assurer de l'accès aux différents modes de transport collectif et qui élabore et met en place les lois, règlements, politiques qui répondent aux besoins de l'ensemble de la population. Le ministère des Transports du Québec, donc moi je travaille pour le ministère des Transports du Québec, sa mission c'est d'assurer la mobilité durable, des personnes par des systèmes de transport qui sont efficaces et sécuritaires. Donc, notre rôle à nous, c'est de soutenir les intervenants en transport. Le ministère des Transports, il est responsable du réseau routier directement, mais quand on parle de transport collectif, ce sont les instances municipales qui en sont responsables. Donc, le rôle du ministère, c'est d'accompagnateur. On conçoit et on administre également les programmes d'aide financière pour tous les partenaires municipaux ou privés qui offrent des services à la population. Et les municipalités, ce sont vraiment elles qui assurent les services sur leur territoire respectif. Donc, elles planifient, elles organisent, elles mettent en place les services pour leur population sur leur territoire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne débordent pas de leur territoire quand ça répond aux besoins de leur clientèle, de leurs résidents. Maintenant, un aperçu sur les lois et règlements au Québec. Donc, ici, c'est seulement les lois qui viennent assurer ou accroître la mobilité des personnes handicapées. On a d'abord, dans la loi sur les transports, ici, on a des lois qui viennent... cette loi-là vient spécifier que toutes les municipalités du Québec doivent offrir des services de transport adaptés à leur population. Donc, c'est vraiment une exigence. Toutes les municipalités sont assujetties à ça.
On a également la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Et ce que cette loi-là vient dire, c'est qu'elle demande, elle exige que tous les organismes de transport en commun, les sociétés de transport en commun, les CIT, tous ceux qui organisent le transport en commun, rendent progressivement accessible leur réseau régulier aux personnes handicapées. Et pour ce faire, ce que la loi précise, c'est qu'elle exige que ces organismes-là déposent un plan qui vient détailler quelles seront les mesures qu'ils prendront au fil des années pour rendre progressivement accessible leur réseau. Et ce plan-là est soumis au ministre des Transports qui, lui, l'approuve. Le règlement visant à accroître la sécurité des personnes handicapées. Actuellement, on a un règlement sur les véhicules adaptés au transport adapté. Il est désuet, il remonte de plus de 20 ans. On est en train de travailler sur une nouvelle mouture de ce règlement-là. On l'appelle le règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées. Il y a eu des consultations qui ont été faites. Ici, ce règlement-là, il vient établir les normes spécifiques qui sont applicables à toutes les catégories de véhicules. Il y a une vingtaine d'années, il y avait près juste des minibus adaptés qui sillonnaient le territoire du Québec. Maintenant, on a des autocars adaptés, on a des taxis adaptés, on a encore les minibus adaptés. Donc, ce règlement-là va venir établir quelles sont les normes selon la taille du véhicule et également selon sa capacité. Et il va exiger des résultats en termes de construction des véhicules. Il y a été une époque où on s'attardait à dire on veut tel matériau, c'est ce qui doit être utilisé de manière très précise. Maintenant, on a évolué, on fait les choses différemment. Ce qu'on veut, c'est que les matériaux qui soient utilisés soient solides, résistants aux impacts, etc. Donc, c'est des résultats qu'on va mettre dans la réglementation et on va également référer à des normes extérieures, qu'elles soient canadiennes, nationales, internationales, ce qui fera en sorte que ce règlement-là sera évolutif aussi. Formation, très rapidement, on a une formation qui est obligatoire pour tous les chauffeurs de taxi, qui, indépendamment si le chauffeur de taxi offre des services à la clientèle handicapée ou pas, elle est obligatoire pour tous. C'est la formation qu'on appelle pour le transport des taxis des personnes ayant des limitations. Cette formation-là vient démystifier quelles sont toutes les handicaps, les limitations que les gens peuvent vivre pour mieux démystifier ça et répondre plus adéquatement aux besoins des clientèles. Donc, ça outille les chauffeurs, mais c'est vraiment beaucoup plus sur les comportements. Mais on a, puis on le voit dans le bas de l'acétate, la formation pour les conducteurs d'autobus adaptés et de taxis. C'est une formation sur laquelle on travaille. Elle sera disponible sous peu. Et dans cette formation-là, on va arriver avec des considérations plus techniques, la manipulation des aides à mobilité, etc. Et on a également, depuis une couple d'années, une formation obligatoire sur le transport scolaire par berline. C'était une formation qui était volontaire jusqu'à tout récemment. C'est pour les chauffeurs de berline. Les commissions scolaires vont avoir souvent recours à du transport par berline pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité. Alors, cette formation-là est dorénavant obligatoire. Les programmes d'aide gouvernementale en transport adapté, on veut favoriser, bien entendu, la mobilité des personnes pour assurer une intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes. Et l'objectif ici, c'est de soutenir les municipalités ou les organismes de transport en commun qui offrent les services directement à la population. Nous, on offre le soutien financier du ministère, mais les organismes municipaux doivent répondre à certaines exigences. Les subventions sont conditionnelles. Il doit y avoir une offre minimale. Quand on parle d'offre minimale, c'est 5 jours semaine, 35 heures, 52 semaines par année. Ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on voyait il y a quelques années. Et aussi, les subventions sont conditionnelles au respect de la politique d'admissibilité au transport adapté, dont je vais vous parler dans la prochaine acétate. La politique, en fait, elle, ce qu'elle vient dire, c'est qu'elle vient donner un processus d'admission qui est universel au Québec. Donc, quel que soit notre lieu de résidence, les personnes ont toutes les mêmes règles. L'accessibilité est universelle, le processus d'admission est le même, on a une reconnaissance qui est provinciale, la personne qui reste en Gaspésie n'a pas besoin d'être reconnue si elle utilise les services à Montréal.
Montréal, sa reconnaissance est universelle au Québec. Bien entendu, les demandes se font sur une base individuelle, mais la prise de décision est sur les mêmes critères partout au Québec. Il y a également un processus de révision qui est prévu si jamais les personnes ne sont pas satisfaites de la décision qui est livrée. Les autres programmes d'aide, on a l'adaptation des réseaux réguliers. On finance 75% des métros, des gares, quand on veut les rénover pour les rendre accessibles. Au niveau des autobus, le taux est variable, ça peut être de 50 à 85 %, mais on finance les autobus s'ils sont à plancher surbaissé et s'ils sont dotés d'une plateforme élévatrice. On a également une optimisation et le développement des réseaux de transport collectif en milieu rural. C'est différent, les enjeux sont moindres, on n'a pas de métro en milieu rural, mais on veut s'assurer qu'il y a des services qui répondent bien à la population et à la population vieillissante également. On finance l'adaptation du réseau de transport interurbain, donc on paye l'adaptation pour les autocars, pour les terminus, et il y a également l'adaptation et l'acquisition des taxis, et depuis l'année dernière, on finance également l'adaptation des véhicules qui sont universellement accessibles dès leur conception. Au Québec, un aperçu où nous sommes rendus, il y a plus de 98 000 personnes qui sont admises au transport adapté au Québec. Elles ont effectué plus de 8 millions de déplacements durant l'année 2013. La presque totalité des municipalités sont desservies. Je vous disais que c'est une obligation, toutes les municipalités doivent le faire. Il nous reste quelques petites municipalités qui probablement sont de tellement faible taille qu'elles n'ont pas de personnes handicapées sur leur territoire. Et on a 101 organismes de transport adapté qui offrent des services porte à porte pour leurs citoyens. Et maintenant, la plupart d'entre eux, il y en a un bon nombre, qui offrent également des services de transport en commun. Toujours dans l'aperçu de l'accessibilité, depuis 2010, il y a 25 autorités organisatrices de transport qui ont déposé un plan de développement. C'est ce que je vous disais précédemment, les sociétés de transport sont dans l'obligation de déposer un plan pour rendre progressivement le réseau régulier accessible. C'est une exigence et ça doit être approuvé par le ministre. On a 25 autorités qui l'ont fait. Ça a donné des résultats. Aujourd'hui, on a 93 % du parc qui est des autobus qui sont universellement accessibles. Les stations de métro, c'est un peu moins rapide, mais il y en a un peu quand même. On progresse lentement là-dedans, mais on progresse. On a, depuis 2007, financé 615 taxis adaptés subventionnés, 66 autocars, 5 terminus. Puis au niveau du transport collectif régional, on a 86 % des municipalités qui offrent des services à leur population. Donc, pour conclure, dans les 50 secondes qui me restent, je vais vous dire que le gouvernement a adopté des lois, des politiques, des programmes d'aide. Tout ça vise à soutenir nos partenaires parce qu'on n'est pas directement ceux qui offrent les services sur le territoire, mais on vise collectivement ensemble, et vous allez voir par les présentations qui me suivent, le rôle de tous les partenaires parce qu'on est une belle variété de gens ici. Donc, on travaille tous à améliorer l'offre de services pour qu'elle soit adéquate et qu'elle réponde bien aux besoins des gens. Merci. Premièrement, je suis très content des présentations. C'est assez informatif. Je suis aussi très content de savoir les statistiques par rapport à Toronto, New York. Tout ça, puis justement, ce matin, j'étais aussi avec un spécialiste dans une autre présentation où un spécialiste, un conseiller du maire, a dit que d'ici 2020, 50 % des taxis seraient accessibles à New York. Ça, c'est assez spectaculaire. Puis le fait aussi que, ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que Mme Cook, elle a dit qu'il y allait avoir, d'ici 2024, 100 % des taxis qui seraient accessibles. Ça, c'est très bien. Sauf que là, pour le moment, pour le Québec, maintenant, ça me fait me poser une question. Quel est l'horizon pour avoir au Québec les mêmes acquis? Pour le Québec, tous les nouveaux permis de taxi qui sont émis doivent être dotés d'un véhicule qui est accessible. Sinon, ils doivent faire la preuve que ce n'est pas requis pour le besoin. Il n'y a pas d'objectif de la même façon qu'on le voit. C'est de cette façon-là que ça a été pris au niveau de des nouveaux permis qui sont émis. Pour le
on fonctionne par cette voie-là. L'autre voie, c'est le programme de subvention qu'on a pour que les taxis qui sont utilisés principalement pour le transport adapté soient accessibles, que ce soit par un véhicule adapté ou un véhicule. Mais on n'a pas l'objectif de la même façon en termes là, de municipalité. Là, on parle de deux municipalités. À Montréal, il pourrait y avoir un objectif similaire, mais au Québec, on n'a pas ça de cette façon-là. Oui, j'aurais juste une petite dernière question. Récemment, j'ai vu sur Internet que le président de Toronto Transport Commission est sorti pour dire son désespoir par rapport à une station de métro qui n'allait pas être mise en accessibilité. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment les faits de vidéo parce que ça fait quand même assez longtemps. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a un plan pour les mêmes choses, parce que c'est bien beau de dire ici, dans un sommet, qu'on veut du 25 millions, donc du 250 millions par année, dans un sommet de professionnels, mais s'il n'y a pas de sortie générale au public pour sensibiliser le public à la question de l'accessibilité, je veux dire que ça, c'est bien d'en parler, mais après ça, ça donne quoi? Je pense qu'effectivement, vous avez raison. La sensibilisation de la population a toujours sa raison d'être. Et c'est ça souvent qui fait changer les choses dans une municipalité, dans une province, un pays. Ça, c'est certain. Quand vous parlez des subventions qui sont demandées par la Ville de Montréal, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à l'accessibilité universelle, le ministère l'a très bien reçu. Ça fait partie des réflexions qui sont en cours au sein du ministère. Les gens sensibilisés sont à côté, alors le message passe directement. Mm-hmm. Souvent, même dans nos communications, quand on a annoncé Renault System phase 4, on a insisté sur l'ensemble des choses qu'on voulait faire, notamment l'installation de quatre ascenseurs. D'ailleurs, dans le journal Métro, ça a tellement été bien compris que le titre de l'article, c'était 570 millions pour quatre ascenseurs, ce qui nous a permis de faire une rectification. Ils en ont parlé deux fois aussi. Donc, quand on veut le mentionner qu'il y a une nécessité de faire des investissements de ce côté-là, vous savez qu'on le fait. On le fait pas juste dans les forums un peu plus restreints, on le fait aussi dans le grand public. Peut-être dire, j'ai oublié de mentionner tantôt, effectivement, il y a seulement 7 stations de métro qui peuvent recevoir les clients se déplaçant avec un fauteuil roulant, mais on en est bien conscient que c'est peu, puis qu'il faut accélérer et soyez assurés qu'il y a des représentations qui ont été faites et qui continuent, il y a un dialogue qui est établi, mais l'idée, le souhait de la STM, c'est vraiment d'accélérer la mise en accessibilité des stations de métro. Et chaque station est bien identifiée quant à son niveau de difficulté pour la rendre accessible. Bonjour, je voudrais avant tout remercier tous les panélistes pour l'excellence des présentations. Ma question s'intéresserait davantage à Mme Dompierre, qui est la porte-parole du ministère du Transport. Et en fait, dans le thème de destination qui fait converger l'idée de tourisme, faut-il encore que les équipements soient adaptés pour accueillir le tourisme en mobilité réduite? Moi, je pense aussi en mode de vase communiquant à travers une contribution de tous les ministères. Parce qu'à partir du moment où les gens en mobilité réduite ont plus grand accès à sortir de chez eux, c'est peut-être un plus grand accès au monde du marché du travail. C'est un plus grand accès à réduire peut-être des phases dépressives. Parce que, et donc, le ministère de la Santé, qui est en juge, donne des exemples types, là, sans tout couvrir mur à mur. L'isolement est, disons, une prémisse de la dépression, c'est-à-dire on se coupe du filet social. Au niveau combien coûte un kilomètre d'autoroute versus peut-être la mise en accessibilité des stations de métro? Combien de gens que ça va desservir et qui va couvrir les volets également d'environnement, que le transport en commun va surcroître par rapport à une autoroute, par rapport à la consommation aux éléments de polluants. Et
avant de penser à de l'expansion de la ligne de métro, que j'ai rien contre l'expansion, mais je voudrais terminer sans trop prendre de temps, que avant de faire de l'expansion, faudrait-il peut-être consolider le réseau qu'on a présentement? Parce qu'à force de prendre de l'expansion, c'est évident qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse pour rendre le métro actuel accessible universellement. Je vous remercie, Mme Dompierre, et j'espère que vous allez être la bonne porte-parole vers le ministère du Transport et le ministre du Tourisme, ainsi qu'une influence envers tous les autres ministres des autres ministères et le premier ministre. Je vais prendre le mandat avec plaisir. Vous auriez quasiment habilité à occuper un poste au ministère des Transports avec les propos que vous dites. On est vraiment en communauté de pensée. Je vous dirais que quand de plus en plus le ministère des Transports et les différents ministères travaillent en collaboration, je commencerai avec l'exemple peut-être de l'Office des personnes handicapées qui a un conseil d'administration sur lequel tous les partenaires gouvernementaux siègent. Donc, on ne travaille plus en silo comme ça a déjà été dans le passé. La défense des droits des personnes handicapées et une amélioration de leur intégration sociale, professionnelle et scolaire, elle est vraiment discutée globalement. Donc, je vous dirais à ce chapitre-là qu'on a fait quand même des belles avancées et il y a des discussions qui se tiennent. Moi, j'ai maintenant, grâce un peu à ce réseau-là, des partenaires dans tous les ministères et on peut faire le lien dans nos dossiers. Quand vous dites, je voudrais savoir combien coûte, je n'ai pas le chiffre en tête, là, mais combien coûte un kilomètre de réseau routier, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement du Québec a décidé d'investir davantage dans le transport en commun et il a changé la proportion au niveau des investissements dans le réseau routier. Il a transféré 1 milliard dans le prochain PQI vers le transport en commun. Ce que ça signifie, c'est qu'il va y avoir 1 milliard de plus. Et quand vous nous parlez qu'on devrait mettre l'argent plus sur le maintien des actifs que sur le développement, bien, la plupart des investissements sont vraiment au niveau du maintien des actifs. Et l'autre élément, c'est que le gouvernement du Québec finance 75% de tout ce qui est Madame Turcotte a bien exprimé les enjeux au niveau de l'accessibilité du métro, le financement, etc. Mais le gouvernement du Québec paye 75% de la facture et des fois sur certains éléments d'accessibilité, ça peut aller jusqu'à 85% quand on prend les sommes qui viennent du fédéral. Les réno-stations auxquelles faisait référence M. Schnob, ce sont des exemples où on va chercher le financement du fédéral, du provincial et de la municipalité pour améliorer l'accessibilité. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a des améliorations significatives qui ont eu lieu. Merci pour vos réponses. Et je voudrais compléter également en ajoutant l'existence de la Charte des droits et libertés, qui prévoit également une accessibilité aux gens à mobilité réduite et que le handicap n'est pas une raison d'exclusion. Oui. Donc, si on tarde à faire le développement espéré, ben peut-être que finalement, ce qui aurait pu être investi concrètement finirait en frais judiciaires. Et c'est complètement absurde. Et il faudrait peut-être avoir une pensée proactive. Je reçois très bien ce que vous dites, si vous me permettez un dernier commentaire, M. Contant. Mais Marie Turcotte l'a bien expliqué tantôt dans son allocution. On est vraiment dans du vieux bas. Si on parle du métro, le réseau de surface, on est rendu à 93% du parc d'autobus qui est accessible. Donc maintenant, il reste les municipalités à l'utiliser de manière beaucoup plus efficiente. À Montréal, ils sont vraiment un modèle. Ailleurs, ça suit. Mais pour le métro, ce sont des investissements qu'on peut qualifier de colossaux. C'est vraiment majeur. Et ça, c'est du vieux bâti. Je pense qu'au fur et à mesure, on a un comité sur l'accessibilité du métro. Le ministère des Transports est là, évidemment, la STM, c'est sûr. Et à chaque fois qu'il y a des travaux majeurs de rénovation, de réfection du métro qui sont planifiés, bien, l'accessibilité fait partie des travaux. Mais on reçoit très bien vos propos. Merci.